Il s'agit de la société Serraver qui a commercialisé donc entre 2009 et 2012 650 prothèses de hanche qui n'avaient pas les autorisations administratives requises. Pour autant, et je souhaite être très précis sur ce point, nous n'avons pas à ce stade d'éléments nous disant qu'il y a un risque sanitaire vis-à-vis de l'utilisation de ces prothèses. On est sur un sujet vraiment de non-conformité administrative des prothèses implantées et non pas de risque sanitaire. Nous n'avons aucun signalement d'effet indésirable relatif à l'utilisation de ces prothèses et rien dans l'enquête ne montre qu'il puisse y avoir un risque sanitaire vis-à-vis de ces 650 patients. Donc je souhaite être rassurant. L'ensemble de ces patients vont être recontactés par leur chirurgien afin qu'un contrôle clinique et une radio puissent être effectués pour vérifier que tout va bien. Rien ne permet de dire que leur santé est en danger, même si, je le répète, il est inacceptable et il ne sera pas accepté que des prothèses ou d'autres dispositifs médicaux puissent être mis sur le marché sans autorisation.